Adieu, au monde et bienvenue pour la 31e édition des Carrecar, d'Empuy et là, l'oustal de la commune de Menchigna en Dordogne. Pour cette édition, il rencontre une comédienne, contaire et doublaire, made in Périgord à 100%, 100%, comme disent ici. Et à quelle comédienne est Monique Burke, Adicias. Adicia. Comment es-tu? Là. Donc, parlerai à masse de votre budget et ce que veut dire d'être comédienne, non, en notre cité. Une fée, comédienne, mais généralement. Mais avant ça, je voudrais un peu de parler de la votre caminade, de la votre bide donc d'artiste, des comédiennes, voilà, d'interprètes des théâtres. Et à cette formation donc, des comédiennes, la 16 année d'offre, de l'autre costat de la marque, à qui Del costat des Aujols, des Mantunos Persons, qui en discute, à qui, je ne sais pas, vous Del costat de Londres. Alors, pourquoi est-ce que cerca à quel sabe de l'autre costat de la marque? Ben, je n'avais pas prévu à rencontrer un Anglais en France et à décider de vivre comme modèle en Angleterre. Et quand j'arrivais en Angleterre, je me rendais compte que les études que je ne pouvais pas faire en France parce que j'étais déjà trop tard, j'avais 24 ans. Ben, je pouvais faire en Angleterre parce qu'en Angleterre, d'où nous avons la possibilité au monde de Biel de faire des études. Le monde de Biel à 24 ans. Oh, ben, en France, quand Biel. D'accord. C'est quand j'avais décidé de ta carrière en un an et j'avais tout réglé à 18 ans. D'accord. C'était trop tard pour moi en France. Bon. Et donc, on vous êtes formé à Londres, à la Royal Shakespeare Company? Non, j'ai pas une audition pour la Royal Shakespeare, mais je n'ai pas accepté. Et je n'ai accepté de deux écoles, une qui faisait jamais des théâtres musicaux et une autre qui faisait des théâtres qui appelaient Community Theatre Arts. Que ce que veut dire exactement? Théâtre... théâtre pour la communauté, pour le monde. Mm-hmm. Théâtre qui prend en considération le monde alentour de nous autres. C'est-à-dire qui prend en considération la notion de classe sociale et tout ça, et de culture. Donc, quand tu deviens le théâtre, deviens pencha au public, pour qui deviens zuga. D'accord. Comme éplosion. Et ces états de ménage, justement, à jouer d'avant qui nous mène des publics, dès qu'il y a en face, quel type de monde il y a en face? Eh bien, il y a au-dessus tout plein de mondes différents. Quand il y a le théâtre pour les enfants, il y a les écoles. Oui. Après, quand il y a des préjoux. Après, quand il y a des gens qui sont vieux. Ou bien, pour des gens ordinaires qui l'ont pas trouvé dans une salle de théâtre. Et Londres avait déjà quel aspect des billes au monde en quel temps? Oh, toujours là-dessus, crois-je. Et il y a toujours là-dessus en Angleterre le monde de la bourgeoisie et de la noblesse. Et tu avais la classe populaire qui est toujours état de plus présent de la littérature et de le théâtre. Notamment les œuvres de Dickens et compagnie. Oh. Exactement. Oh, oh. Ben, justement, de qu'est-ce la différence, enfin, sur le vostre sentiment qui dessus, de qu'est-ce un peu la différence entre quelle formation qu'avez recevue et une formation qui est belle ou arrière recevue dans le costat français? Mais il y a vu que, spécialement déjà que l'école, parce qu'en Angleterre, tu as une de les écoles un peu traditionnelle, un peu classique, comme on vient en France, ou comme on vient en France, alors je ne savais pas. Et auquel école en particulier, en tenant compte de quel système de classe, te demandavo que quand tu avvisavais une pièce de théâtre, de prendre tout ce qu'on compte. De se dire, comment est-ce que tu vas recevoir quelle pièce, quelqu'un qui est un ouvrier, quelqu'un qui est un paysan, quelqu'un qui est un noble. Et non tout ce qu'on voulait que la fille cancerait, je ne savais pas. Mais je nous demandais de les penser. Et je m'intéressais. Vous avez l'impression que la formation française tient compte des mêmes paramètres qu'ACO ou est-ce pas trop académique? Je ne savais pas comment c'est ouvre, mais je pense que je viens d'un cours de théâtre où le théâtre est enseigné comme calcorer des lèperies de l'art per l'art.
que non pas de un art per le monde. Mm-hmm. Et aucun m'intéresse pas parce que yo per yo l'art est quelque chose de bio. Ouais. Que vuol pas dire che rappresenta esattamente la realtà, ma che è qualcosa che vivo e che può con sa. E che io l'écoute tutto di ciò che il mondo vive. Credi. Bon, après, j'avais donc passé à quel temps donc à Londres. Bon, cette tournée immédiatement au pays ou à la baisse, avec une peau rébalade d'ici, d'là, d'autres parsens. Ben, avant de donner à l'école de théâtre, Fogheri une année d'ingénculette pour apprendre la littérature anglaise pendant une année. Après, travaillé pendant 12 ans dans une autre troupe de théâtre à Manchester. Après, Fogheri l'école pendant 13 ans. Et après, pendant 12 ou 13 ans, Fogheri travaillait dans une autre troupe de théâtre. Et tournait en France, après un an en Angleterre, tournait en 93, et tournait en Périgord. Et après, travaillait pour un remplacement au théâtre de la Rampe de Montpellier. D'accord. Bah, tourner immédiatement au pays, que Fogheri est impératif pour vous? Oh. J'ai fait mon début de théâtre dans mon village. J'ai une conscience de ma culture. J'ai été militant occitaniste d'un pays de 13 ans. Mm. Et donc, être en Angleterre, je n'ai pas arrêté de penser à tout ça. Oh. Et donc, j'ai eu que mes collègues tournent, que j'ai eu de trouver le fait. Che venivo di un mitan rurale, dell'agricoltura e tutto ciò, non c'è pas le cause artistiche non sono il programma. Non è pas prévu che il mondo poi i gens engagent il teatro, engagent il concerto e tutto ciò. C'è pas una causa primordiale. E per io è importante che cadun devo vedere tutto ciò, cadun giù riesce come può, ma cadun devo vedere. E dunque per io che era importante di tornare in Périgord, non poi, non perché è il meglio, ma tutto perché lo conosci e l'hai mis per li tornare, e perché pensavo che io avrei delle cause di fare di un punto di vista uscitante. D'accord. Et dès qu'il y a bio des faire, justement, dal punto di vista uscitante, dès qu'il y a la vostra ambition, à quel niveau? Eh bien, après avoir travaillé dans le théâtre de la Rampe pour un remplacement pendant 7 ou 8 mois, tourner un côté de maille en Périgord. Et je ne suis pas un entrepreneur, je ne peux pas monter une autre troupe de théâtre, je ne me sentais pas capable de faire ça. Et donc, je quelque trouve quelque chose de maille de faire. Et quand j'ai commencé à faire un compteur. Et en ce compteur, je pouvais travailler en français et en occitan. Pudioi io duja come bulioi, che ero io non ma che parlavo, e non pudioi parlare ciò che bulioi. E che fughe un biai per io di completamente di dire al mondo che pudioi parlare la lingua che bulioi. E se bulioi parlare uscita in un minuto, parlioi uscita, se bulioi parlare francese, parlioi francese. E dunque fughe le début de quelque chose fort parce que le monde est que le conte est plus fort que le théâtre parce que le monde t'avons un peu là des causes qui toquent tout le monde et t'avons le dire dans ta langue et donc lui toque d'où comme mai crezi que ce qu'il y a en français me semble. Est-ce que vous avez dit dans une entrevista qui a accordé en 2013 à la caserne de littérature orale, revista éditée par l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, expliquez-vous à l'art qu'il s'agit de faire de faire le compte public, donc toujours dans laquelle démarche donc, de la vostre formation théâtrale, de s'adresser à un public large, et vous avez que votre point de repère est d'une parlas, qu'elle cesse et d'une bénesse. Mm-hmm. C'est-à-dire donc ben, le point de repère est tout simplement la vostre personne. Mm-hmm. Aussi, le public réagit justement à quelle proposition permanente de la vostre part, ben, de leur faire part, un peu de la vostre imaginaire et personnel, et bon, qu'est-ce propre à l'endroit d'un TBNS et belé ou un TANAS. Dès qu'est-ce une peu la réaction du public rapport à Naco, s'y retrouve ou pas? Crede che si ritrova, o okay, che si ritrova un po', ma ne parlo un po'. Ma lui che si ritrova, mi viene un bere, dice che ho l'impressione di ouvirlo a me o di ouvirlo a un maire. Perciò che parli giù te proviene per che sembra
crédible. Ouais. Que quand dice que l'ordi est calcoré dal punto di vista della lingua. E tobe per ciò che lui conte che causi si de dire del repertorio tradizionale e tobe le causo che cribio sul ligado a nostra cultura. Io sabi d'un bene, sabi che bene di un mondo de poison e hai mai pretendu che venia d'un altro andre en d'un mai referenzio ben un d'occhi. Potisi o hai deplogé d'un biais che lo mondo della campagna on. Che vuol pas dire che sei numa della campagna, ma che sia che si nocchio della campagna, mi morcado prou, perché con marche mi biais de porla e de pensa. E o cosu j'accepti e su doni al pubblic cancunti. Est-ce qu'il y a quoi facilite justement le fait de définir donc un espace et des provenances plat précises, donc le monnaie de la campagne en l'occurrence, est-ce qu'il facilite justement le travail d'identification qui est utile pour justement captiver le public et le maintenir attentif à la vostre histoire? Crezi che copolio o ciudà, perché le monnaie de la campagne n'ont pas l'habitude d'être représentato. E di nostra cultura del mio. Il mondo non è stato rappresentato, o quando sono stato rappresentato, che era per il mondo della ville, che li hanno ridiculizzato, che li hanno eputi. E dunque il mondo è avuto, che l'hanno parlato di cause prigunde, di cause belle, di cause dolorose, di cause gioiose, di loro lingua, si rendono conto che loro lingua è una lingua e che hanno il diritto di vivere, il diritto di esprimere. Al contrario di ciò che loro dicono, quando loro dicono, non pas per la loro lingua. E come credo che cada volta che qualcuno va su una scena, che qualcuno parla di un viaggio, come il teatro, o che può essere in politica, quando parla al pubblico di la lingua, il pubblico ha l'impressione che è accettato nel mondo, credo. Parce qu'on le prouve à qui que c'est possible, qu'on leur donne le droit. Et à quel même discours peut morcer qui t'emmène d'une autre culture, que ce soit en Bretagne ou que ce soit à qui que s'y reporte, parce qu'on parle des causes universelles. Ces apparitions, ça s'appelle fait des petites apparitions, des petites rôles, d'un téléfilm. Est-ce qu'il faut être difficile pour vous et vous faire recruter des ça passe per des ah ben c'est qu'elle pas excusez-moi c'est qu'elle pas pour là qu'il pas difficile c'est qu'elle pourra en occitan aimo place et c'est qu'elle parle sans accent c'est qu'elle parle sans accent te donne un pas bel coffre te donne un vérifie qu'on se peut de pour là sans accent comme pas j'arrive parce que mon reposa d'accord ce que mon reposa qu'ero si be un co per una televisione devo dire una o due frasi eri consciente che se giù doi savi di un accent beleu che lui zainorio perciò che lui personaggio ero pa ecri è un accent e du io in tanto comediano fogeri pensieri ok giù vuol parla e tal e da quel accent che era un accent che è pas tutto fem un accent che è il cuore di olmitam e ho comorze d'accordo ma il personaggio ero pa ecri che ero meridional che ero del sud ovest e du io vi ho pa di raggiù che mon personaggio por lesso e da quel accent. D'accord. Ma il problema è che io pa bel code personazze e credi notre accent. E ho co il problema. Bon. La difficulté de trouver donc des rôles, c'est bon, la difficulté de première per cada comédien qui mon kibi ou qui à la surface de la terre, pense. Mais après, ça avait parlé à la comédienne, mais gradario de parler à la fène, tout simplement. En tout démoral, il nous bosserait domaine, il nous bosserait secteur d'activité, en parlant tout simplement de la fa Weinstein. Et donc, une de ses conséquences, bon, une pomme à rouge, ce que les autres, à savoir la libération de la parole, mais donc des fènes qui infinis, disons, ce que l'aurait arrivé, et ce qu'en patite, Bertha Romain, est-ce qu'à Bessbousse,
des souvenirs ou des cases de figures précises qui illustrent une époque et tout, à quelle domination masculine dit le secteur prenant acquis le secteur del théâtre arbitraire même bon figure qui s'exprime ici dans comme parce que dit le vostre secteur d'activité qu'aussi s'est pu exprimer à la course del vostre biscuit de la vostre carrière professionnelle. Dal punto di vista della professione, ho visto delle scene che erano metteri in scena, che arrivavano in un teatro, in un endroit, e il tecnico non parlava pas, non pas credere che c'era una scena che faceva l'uomo in scena. E speravo che l'uomo arrivasse. E al caso di un momento, vediamo che c'era una scena. E quindi avevamo l'impressione che si plegavano alla volontà di quella offena, o lei di trovare un modello come Forion e un nome. Ecco che per le mettere in scena, per le comediane, il y a le sexisme ordinario che l'hanno trovo di lui teatro, come l'hanno potuto trovare di Lorio, o di qualche professione che si ha. E quando è l'anno comediano, l'anno di una situazione di des fragilités pour construire une personnage. Et il y a toujours l'impression que un mai fragile c'est, un mai il y a des monde qui vont prendre l'avantage, l'occasion pour te fragiliser un peu mai. Et non si te vuoi buttare la molle, tu le feras. D'accord. Et parce que tu as l'air fragile tout au coup, diront que quand tu n'as pas compris ce que se passait, que elle voulait nous reconnaître, et qu'elle voulait qu'il n'y ait pas l'urmo, qu'il tu qui a tout cas corps, te vont faire passer per folle. D'accord. Que la solution qui est en tout plein d'hommes pour dire, pour ne pas admettre ce qu'on fait, ce qu'on fait. Et juste, est-ce que c'est stato confrontato personnellement, dans quel domaine des comportements, et est-ce qu'avez répondu des façons, qu'aussi dire, des façons résilientes, ou à la base des façons énergiques Ça dépend de quoi. Il y a des jours où tu te sens plus forte, plus opposimado pour pouvoir dire à la personne non, je ne te bute en couleur, et il y a d'autres jours si tu ne te sens pas bien et dis non, je ne te fais foutre. Mais cada côté, quand tu donnes l'impression que je n'ai pas une cause, que je peux prendre de ça. Et est-ce que vous avez l'impression encore une fois, bon, respect à las générations actuelles, donc les juventus ici qui vivent et qui peuvent, qui vivent elles aussi à quelles situations, des sécutements, bon, sur sécutements sexuels, sur sécutements moraux, sur tentatives de soumission ou que ça vient car, est-ce que vous avez l'impression que sont mieux armés, que non pas leurs aïnados, pour justement Sakara, quel domaine de situation? Non, je penser que je suis, parce que j'ai une libération, comme on dit, dans les années 60 ou tout au coup, mais que je n'ai pas plus segui, que je n'ai pas. J'ai de la lei, mais que la lei n'a pas appliquée. Et donc, je me dis que le problème continue. Et donc, les drôles ont la lei. Mais la société n'a pas bouleversé tant comme il y a des gens bouleversés. D'accord. Et je crois que c'est arrivé du moment où la société a envie de parler de tout ça. Il y a tout plein de femmes qui sont prêtes à en parler, mais il y a tout plein d'hommes qui reconnaissent qu'il y a un problème. Et je crois que un homme, qui est un homme, Bertaudier, pour reconnaître que j'ai un problème dans le sexisme, que quelqu'un qui toque les femmes, mais que ne fait pas de bien aux hommes, que leur donne pas mal d'humanité, au contraire, que leur enlève une partie de leur humanité. Et donc, quand les hommes sont baissés dans les bas et dire non, qu'ils ne prouvent. Et je crois que chaque homme est concerné, chaque homme a une mère, une soeur, une nébude, un fils, un petit fils. Et je commence à penser, et ce qui arrive à mon mère, ce qui arrive à mon soeur, à mon drôle, à mon petit fils, à mon ébude, qu'est-ce qui est concerné? Bon.
Monique Oberg, merci pla. Per quel moment tu passes en la nostra compagnie? Rappelle que c'est donc comédienne Kuntair et Doublair, originaire de Périgord à Saint-Delsin, et que c'est resté un spectacle le 26 novembre à Sorja, j'espère qu'il prononce pla, Sorja, dans l'Ordogne, et le 13 de janvier à Paris. Oui, non, je vedrai ça aujourd'hui. Mentre segne. Qui toutes les entreseignes sur le site www.sirventes.com. Merci, Pla Monica. Qui est le 31e numéro de Carrecar, mais donc Monique Burg, Kuntair, Comédienne et Doublaire de Périgord. Merci, Pla, à toutes.